important. Bonjour ma chérie. Bonjour Ella. Bonjour mademoiselle Alice. Vous avez bien dormi? Oui, merci. Tu as fait des rêves? Ouais, je crois même. J'en ai que des bribes. Des projets pour cette journée? Bah, comme d'habitude quand on est ici. Lecture, sieste, manger. Et peut-être peinture. Quand t'étais petite, tu adorais venir ici en vacances. J'aime toujours, c'est juste que j'ai changé. Tu as changé et... Quoi? Tu as changé et... Tu as changé et quoi après? Je vais le dire. Soyez patient. Taisez-vous. Alice, tu as changé et quoi? C'est quoi le problème? Bon, ça suffit maintenant! Yalala! Donnez-lui son thé! Il y a que quand on a été quelqu'un de prestigieux et qu'on n'est plus rien, on peut se perdre. Et il s'est perdu. C'est qui? Une patiente du professeur. Un professeur? Oui, papa. Allez, viens à la table et fais comme d'habitude. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. Tu... Ah oui. Mais j'en ai que des bribes. Tu as des projets aujourd'hui? Pas. Et Léa, elle est pourrie celle-là, vous la mettez au placard. Dès demain, je veux un nouveau cobaye. Combien il va falloir que je sacrifie de vie à cause de vous? Ça, c'est les clés. Toi, tu t'enfuis. Moi, je m'occupe de lui, d'accord? Elle vous déteste. Vous croyez vraiment que c'est la meilleure méthode? Je crois beaucoup de choses, mais c'est la plus importante. Retrouver mon ami. Peu importe son visage, son apparence. Ce qui m'importe, c'est son âme. Lâchez-moi!
échapper au professeur André Duroc. Hein? Mais on n'échappe pas au professeur André Duroc, mondialement connu, un grand psychologue qui prend soin de ces petites souris. Hein, les petites souris qui sont dans leur bocal. Elles ont l'air de quoi là, hein? Elles vont venir à la maison parce qu'elles sont courageuses, les petites souris. Hein? Encore une fois. Ça? Ou ça? Ça? Eh bien voilà, je retrouve mon Alice. On va enfin passer de bonnes vacances.